19th century was, of course, the golden age of the piano. Composers and pianists stimulated piano builders to do their utmost. Steinway experimented abundantly and left an indelible stamp on the development of the modern grand piano as we know it today. When the Belgian piano builder Chris Mahne got a look at the concert grand piano of Queen Elizabeth in the Royal Palace in 2009, he immediately stressed its unique value. Aside from a few infirmities of old age, such as a cracked soundboard and a damaged bridge, the piano of Queen Elizabeth was still in its original condition. The delicate task of restoring to life this instrument, which had scarcely been played since the death of Queen Elizabeth in 1965, now awaited Mahne. Ik heb deze concertvleugel Steinway van koningin Elisabeth voor het eerst gezien in het Koninklijk Paleis in Brussel, zo'n 2-3 jaar geleden. Hetgeen die mij onmiddellijk opviel was de heel originele staat van het instrument. Ook dat het een zeer lichte touché had en dat heel wat onderdelen eigenlijk nog allemaal volledig origineel waren. Dus in dit opzicht is het al een zeer zeldzaam exemplaar. Omdat het met al mijn kennis kan ik niet weten dat het ergens nog een tweede exemplaar in dezelfde originele staat stond. Nu, een restauratie van zo'n piano, dat is wel ook een hele grote onderneming. En zeker in dit geval. Het is een heel waardevol stuk. En we gingen er ook vanuit dat het zo authentiek mogelijk moest gerestaureerd worden. Dat betekent ook dat de onderdelen van deze piano eigenlijk niet meer in de handel zijn. But the arrival of this instrument in the Queen Elizabeth Chapel also has a high symbolic value. Is it not exceptional that 100 years after it arrived with the Queen, an instrument should now end up in an establishment founded by that same Queen? Mais c'est aussi magique de pouvoir se dire qu'aujourd'hui, des jeunes talents, des pianistes venus de tous les horizons, vont pouvoir aussi jouer sur cet instrument et le faire revivre là, aujourd'hui, au 21e siècle, à une époque où un projet comme celui-là a non seulement son intérêt sur le plan historique, mais aussi son intérêt pour le futur, de faire revivre cet instrument un siècle après qu'il soit sorti des ateliers Steinway à Hambourg et qu'il ait été donné par le roi Albert à la reine Elisabeth. An ideal marriage between the outstanding mechanics of a modern Steinway and the refined sound of a historical instrument is how the French-Lebanese pianist Abdelrahman El Bacha describes Queen Elizabeth's restored Steinway. Cet instrument, un grand Steinway de concert de 1910, c'est une époque très importante. C'est l'époque de Ravel, Rachmaninoff, Prokofiev, des compositeurs du XXe siècle qui sont très travaillés par la jeune génération. Et en fait, ces grands compositeurs avaient ce genre d'instrument à leur portée. Cet instrument reflète l'esprit, l'inspiration de ces musiciens. Donc il me semble précieux que cette nouvelle génération, quand elle travaille ses œuvres, plus particulièrement, fasse connaissance avec les instruments qui ont servi de base à l'élaboration de ses œuvres. Quelle impression ça te donne, à toi, par rapport au piano moderne ? C'est différent. D'ailleurs, je pense que vous avez vu, je me suis adaptée bien à la fin, mais au début, j'avais eu un peu du mal. Parce que oui, je m'y attendais à un son différent, donc je timbrais même la pédale, pareil. Je crois que j'ai mis à peu près 4-5 pages pour comprendre comment ça fonctionne. Mais en soi, à la fin, les couleurs et tout, enfin, je trouve que c'est parfait. So I think it's really important for the students to be in a position to witness these circumstances of 100 years ago. And we are excited about this fact. And on the other hand, it's an instrument so valuable for Chapelle. It is extremely, extremely valuable that we have that kind of instrument back to its origin. So excited we are, all of us. In the chapel, the instrument has ended up not in a mammoth concert hall, but in a studio that in scale is highly reminiscent of its original setting. And so, the circle is complete. Cet instrument a certainement retrouvé sa place, ou en tout cas une place, qui est la sienne aujourd'hui, au sein d'une institution comme la nôtre,
qui prolonge bien entendu sa vie, son siècle d'existence, et nous l'espérons pour certainement un autre siècle à venir.